Bonjour à toi, cher spectateur, et bienvenue dans cet épisode 22 de Au coin du DVD. Épisode 22 qui reste donc sur la lettre J, après être passé par ce cher Jean-Claude Van Damme. Lettre J, où, comme je l'avais évoqué la dernière fois, j'ai pas tant que ça de films. J'ai beaucoup de petits films, j'ai également des grosses sagas comme Jumanji, mais la plupart du temps, dans la lettre J, si vous regardez les films qui commencent par J, il y en a très très peu. Et quand il y en a très très peu, c'est difficile des fois de faire un choix. Mais pour autant, le film que j'ai choisi de vous faire découvrir aujourd'hui, c'est un film que j'ai connu assez jeune. C'est un film qui m'a profondément marqué parce que, pour le coup, euh, lorsqu'il est sorti, j'étais pas un immense fan du cinéma français. Pour être honnête, lorsque ce long métrage est sorti, je... J'avais une espèce de préconception du cinéma français qui consistait à dire le cinéma français c'est des comédies ringardes ou des films d'auteurs qui ont tendance à pousser le bouchon un peu trop loin et où Maurice en a un petit peu marre. Et au milieu de tout ça, j'ai découvert un film qui encore aujourd'hui me marque parce que c'est une comédie très atypique, offerte par un auteur qui est pas mal décrié maintenant. Euh, il faut reconnaître en même temps que depuis qu'il a fait ce film-là, il a un peu fait des longs-métrages qui sont pas fous voire même qui sont assez moyens voire même qui frôlent le mauvais mais lorsqu'il a réalisé j'ai toujours rêvé d'être un gangster Samuel Benchetrit nous a quand même offert une sacrée petite perle euh, ça a fait quand même quasiment plus de dix ans qu'il a offert ce film et encore aujourd'hui je m'en souviens comme si c'était hier de la première fois que je l'ai vu c'est-à-dire que j'ai vraiment été marqué par le style par l'esthétique par la manière avec laquelle se mettait en scène a a réussi avec beaucoup de génie à s'emparer de quelque chose qui aurait pu sonner comme très classique, c'est-à-dire juste un bar dans lequel il y a plein de gangsters qui se retrouvent, il y en a des plus ou moins doués que les autres, il euh, y a un petit côté à la Audyard dans la manière d'écrire de les dialogues, de concevoir les scènes, de développer les personnages, et ça reste un film qui quand même se détache pas mal du lot uniquement par la place qu'il a au sein du cinéma français. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, lorsque je regarde le cinéma français de cette période-là, du début des années 2010, il y avait des moments où bah, c'était pas foufou. Et où beaucoup d'auteurs avaient énormément de mal à se dire, allez, on va proposer quelque chose d'un petit peu neuf dans le cinéma français. Mais lorsque, en 2007-2008... Samuel Benchetrit se dit Allez, je pose, j'ai toujours rêvé d'être un gangster, et je dis aux gens Regardez ce film, il va pas être comme les autres. Et bien, je trouve que c'est une jolie performance de sa part. Bon, au-delà du fait qu'il a quand même réussi à réunir un casting assez fou, bon, il y a Anna Mouglalis, Edouard Baird, mais il y a Jean Rochefort, il y a Bachung, il y a Arnaud, il y a Bouli Lanners. Enfin, le film est bourré de personnages à part entière, et pas que de personnages dans le sens où ils incarnent des personnages à l'écran, mais dans le sens où. Littéralement, ils deviennent des personnages face à la caméra de Ben Shetrit. Et Ben Shetrit, en plus, arrive avec beaucoup de subtilité à, si ce n'est les... leur donner énormément de charisme, au moins à réussir à les placer comme des icônes de cinéma durant une fraction de seconde. Le DVD, malheureusement, n'est pas bien garni. Hein. Il y a juste un pauvre making-of de 26 minutes et quelques scènes coupées. Ce qui est un petit peu triste parce que honnêtement, euh, on a envie d'en voir plus. Parce que même si 26 minutes, c'est assez conséquent pour un making-of. Ça reste pas grand-chose quand on voit le film et qu'on se dit que ça a dû être monstrueux à faire parce que ça a dû prendre énormément de temps, ça a dû prendre énormément de patience pour arriver à gérer autant d'ego, de charisme et de puissance de jeu sur un même plateau, euh, en plus de construire un récit qui est à la fois rend hommage à tout un pan de la nouvelle vague, tout en prenant avant tout l'idée de vouloir créer un polar qui ait des accents vraiment modernes, mais qui ait quand même cette vibe très années 50-60. En fait, ce film, bien au-delà d'être un long-métrage que j'aime énormément, c'est un film qui sonne encore aujourd'hui comme une profonde anomalie. Comme beaucoup des films, par exemple, de Odiar, comme beaucoup des films, par exemple, de Azanavisius, comme beaucoup de cinéastes qui ont envie de proposer des longs-métrages qui sortent un petit peu du lot, qui ne sonnent pas comme étant dans l'air du temps, mais comme étant quasi universels dans leur manière d'être faits. Et j'ai toujours rêvé d'être un gangster, va exactement dans cette direction-là. Le film n'a malheureusement pas rencontré un grand succès lorsqu'il est sorti. Il est rapidement tombé euh, en désuétude. Et pour vous dire, je l'ai découvert en DVD. J'ai pas pu le découvrir au cinéma parce qu'au cinéma, je crois qu'il est resté deux semaines grand max là où j'étais à l'époque, c'est-à-dire à Tours. Et c'était triste parce que vraiment, dans ma tête, je m'étais dit Allez, ce film, il a l'air de déboîter, j'ai trop envie d'aller le voir. Et. Et encore aujourd'hui, je regrette de ne pas l'avoir vu au cinéma parce que ça devait être une sacrée expérience, ça devait être un long métrage qui, qui imprime quelque chose de particulier, une atmosphère. Un... Dans une salle de cinéma, ça ne doit vraiment pas être la même chose à regarder, j'ai toujours rêvé d'être un gangster. Je rêve un jour de pouvoir le voir dans une salle de cinéma et de me dire que là, ça va être encore plus marquant que quand je l'ai découvert chez moi. Mais au-delà de ça, j'ai vraiment envie de vous proposer de réhabiliter quand même, j'ai toujours rêvé d'être un gangster, parce qu'au-delà d'être un film qui... À un titre très évocateur, à un casting qui ferait bander n'importe quel cinéphile français, bien au-delà de malheureusement avoir pas grand-chose à se mettre sous la dent en termes de bonus, mais de se dire que quand même ce film ça reste euh, un espèce d'Ofni complètement pété qui débarque dans le cinéma français et qui dit regardez, j'ai envie de proposer quelque chose de différent. Fabien Chétrit, c'est un cinéaste qui avait pour ambition de vouloir apporter un peu de sang neuf en prenant du vieux et il a réussi si on connaît le film. Malheureusement, si on ne connaît pas le film, on aura tendance à se dire que ce film, malheureusement, ça n'est rien du tout. Mais si vous l'avez vu, ou si vous ne l'avez pas encore vu, regardez-le. Parce que vraiment, vous allez vous dire qu'à la fin, c'est dommage qu'il n'ait pas marché, parce qu'il aurait pu y avoir un petit tournant. Il a réussi à débloquer quelque chose au sein du cinéma français, mais je pense que s'il avait été encore plus loin, Benchetrit aurait pu faire de J'ai toujours rêvé d'être un gangster, si ce n'est un classique, au moins un film culte. Dommage qu'il ne soit pas arrivé. Voilà! C'est tout pour cet épisode 22 de Au Coin du DVD. J'espère que, comme d'habitude, il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de J'ai toujours rêvé d'être un gangster, soit si vous l'avez déjà vu, soit si vous ne l'avez pas encore vu et que vous comptez le voir. Et quand vous l'aurez vu, revenez ici et mettez un commentaire. Et d'ici là, je vais vous dire la même chose que je vous dis d'habitude il y a bien des secrets qui se cachent dans une jaquette de DVD.